Ouais, c'est vraiment de l'acting. Bonjour! Il est 7h du matin. J'ai trop envie de te tuer là. Comment tu te sens la première fois de ta vie que tu te lèves tôt? J'ai envie de te tuer, j'ai envie de mourir en même temps. Toute ma vie j'ai travaillé pour pouvoir me réveiller à l'heure pas où je voulais. Pas d'onde négative dès le matin dans j'ai ma morning routine. Pour me réveiller à l'heure où je voulais et l'heure où je veux, c'est pas 7h. Chut. Vas-y. Bienvenue dans ma morning routine. T'es content? Franchement pas du tout. Oh, tu peux dire des trucs positifs. Moi, y a pas de ça normalement. Archi pas. Tu m'as fait souffrir dans ta morning routine, je te rappelle. Non, le mec se lève tard, il va sur son téléphone, c'est ma phobie. Bon, ça va, arrête un peu, fais pas non plus la folle. Pour info, tu es interdit de téléphone. Comment c'est interdit de téléphone? Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à qu'on soit prêt à travailler, donc jusqu'à qu'on soit douché et maquillé. Et la première chose que je fais dès le matin, qui est obligatoire, mais vraiment, je pense que je ne peux pas vivre sans ça. Tu sinon, je me sens mal. Je bois de l'eau. Normal, moi aussi. À deux doigts d'être un être humain. Non, il y a pas tout le monde qui fait ça. Quand j'ai pas d'eau, je suis pas bien. Genre l'autre jour, je sais plus, quand on était à l'hôtel. Et raconte pas ta vie. Ouais, j'avoue, là, c'est trop. Allez, je t'ai. De l'eau, pour moi. Bah oui, j'ai tout préparé hier soir, je t'ai mis de l'eau sur ta table de nuit. Vas-y, go. Vas-y, moi le matin, il y a pas d'amour, il y a rien là. Hein. C'est ma morning routine, ça tombe bien. Oh là là. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi je veux vivre seule? Je suis tellement positive. Je me fous de la gueule de qui là? Ben je me fous de la gueule de personne. Je me réveille, on me filme au réveil et c'est moi qui pose problème. Oui, totalement. Attends, on fait un chin. Ouais. Tu l'as mal fait. Comment ils font les gens qui boivent pas d'eau? Je sais pas. Franchement, ça, là-dessus, j'ai pas de réponse, je ne sais pas. Très bonne cette eau. Tout ce qui peut critiquer, le critique. J'ai plus envie. Ah bah faut finir. Non, c'est ma morning routine, je fais ce que je veux. Et qu'est-ce qu'on fait? Okay. Ça va te choquer parce que je sais pas si t'as déjà fait ça dans ta vie. Mon pauvre bébé, c'est beaucoup d'expérience d'un coup. Vas-y. On va faire notre lit. Quoi? On va faire notre lit. Ah non, flemme. J'ai jamais fait mon lit. C'est d'ailleurs comme le ménage dans cette maison. Non, vas-y, arrête. Ça, c'est pas. Non, non, le non. Lit, je le fais de temps en temps. Je ah non, non, jamais. Jamais, 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 jamais tu as fait le lit. Parfois, quand il se réveille après moi, genre on fait nos trucs et tout, je sais pas, on a des rendez-vous. Je rentre, le lit est pas fait. Comment ça me tend? Tu m'énerves. Si je te vois, ma vas-y, je te regarde. Tu me fais le lit comment? Bien ou pas bien? C'est une vraie question. Bah, tu le fasses vite fait ou genre. Non, tu le fais bien. Moi, je le fais très, très bien. Oh la lumière, j'aime pas ça. Tu te plains encore une fois, je te fais souffrir. Tu veux un pli? Un pli, oui. Un pli retourné. Et les coussins, non, on les met pas bien. Bah ils sont bien là. Bah tu ne peux pas les mettre pareil, genre. Bah ils sont pareils, je te raconte. Okay. Franchement c'est pas droit, mais c'est clean. Hein. Vas-y, arrête de faire la meuf. Voilà. J'ai jamais vu ce lit fait le matin. Ah. J'ai jamais rentré. Mais quel menteur! C'est pas possible de mentir comme ça, Jérémy. Tous les jours, je fais le lit. T'es vraiment un menteur. Hein. Tu fais quoi là? Pourquoi tu te remets? Je profite du lit fait. Bah oui, c'est normal, il l'a jamais fait là, ça te fait bizarre. Je vais t'en coller une. Prochaine étape. La douche. Pas du tout. Putain. Moi, je me touche pas en premier. Ah, la crasseuse. Bah non, parce que je vais être prête pour travailler, je vais pas faire 15 trucs en m'étant douchée, genre. 15 trucs, mais tu fais du bricolage? Ouais. Comment ça? Allez, go! Ok, c'est quoi la suite? On va dans la cuisine. Personne te demande de danser, mais. C'est maman en routine, encore une fois. Je fais ça le matin, d'ailleurs, hop. Alors là. Cours de danse. Tu vas pouvoir aller bien te. Devine ce que je fais. Bah, tiens. Voilà. Ok, bah tu me le fais. Donc tu me le fais. Tu sens pas, je sors des tasses. Je veux de la mousse aujourd'hui. Ça, c'est vraiment la première étape. Genre, quand je me lève, matcha direct. Je mets pas 25 minutes à le faire comme ce mec. Oh, oh putain. Il est cassé le truc. Non, mais non, j'ai vu. Franchement, j'aime pas trop ce plan là. Pas douché et tout. Franchement, Delma. Arrête de te plaindre. À vous d'être. Aïe. Ah, voilà. Hop. Ah. Elle a pas pu. C'est bon. Quoi? Ça marche pas. On s'est censé être de la mousse, quoi. Vas-y, c'est pas grave. Merci. Attends. Attends. Moi qui décide. Là, on peut aller dans le salon. On se met sur le canapé avec notre matcha, ok? Ça va, la vie, hein. T'as du temps, toi, le matin. Bah, c'est pour ça que je me lève tôt, bouffon. Petite pause dans la vidéo pour vous montrer ma petite skincare routine. Car cette partie de la vidéo est en collaboration avec Typologie, je vous explique. Dans ma morning routine, je fais pas tout de suite mon étape peau, mais je vais vous montrer maintenant mes produits préférés du moment. Parce que en été, ma routine change un petit peu. Et en plus, vous me demandez tout le temps, genre vraiment dans mes DM sur Instagram, tout le monde me dit t'as pas un code Typologie. Genre vraiment, vous êtes obsédé. Mais je comprends pourquoi. Déjà dans ma douche, je me lave toujours, parce que oui, je me lave le visage dans la douche, avec le gel nettoyant au zinc. Il est très cool, et moi qui ai la peau déshydratée, franchement, il ne déshydrate pas. Ensuite, je le fais pas tout le temps, mais j'aime bien rajouter une lotion avant de mettre mon
sérum, parce que j'ai toujours entendu dire que le sérum pénétrait encore mieux si on avait la peau humide. Voilà, mais quand j'y pense. Pour le sérum, nous avons le acide férulique 3% Ashitaba. J'ai toujours un problème à dire les noms des sérums, typologie. Celui-là, c'est un sérum antioxydant. Alors, il y en a deux. Il y a l'antioxydant et il y a l'apaisant. C'est sérum apaisant aux 9 ingrédients. Celui-là, en ce moment, je crois que c'est mon préféré en fait. Parce que j'ai la peau, comme j'ai pris un peu de soleil, etc. Elle est déshydratée. Genre, je sais pas, il se passe un truc. Moi, je mets 4 fois plus de crème en été qu'en hiver. Il y a un problème. Et en tout cas, le sérum apaisant m'hydrate grave. Celui-là, l'antioxydant, je vais le mettre tout de suite. Franchement, j'alterne entre les deux. Ensuite, crème hydratante, la plus connue, 9 ingrédients. Franchement, je me demande si c'est pas un best-seller de la marque, elle est trop bien. Pour moi, elle convient à tout le monde. Et voilà, dernière étape, si, attendez, l'huile pour les lèvres. Franchement, ça, il y a plein de teintes différentes, mais celle-ci, c'est la non teintée, que j'aime bien plus pour la nuit, que du coup, je préfère. Voilà, c'est tout. Trop bien, elle colle pas du tout, genre c'est vraiment une huile. C'est pas comme un gloss, c'est vraiment une huile quoi. Et voilà, je vous ai fait ma routine en 5 minutes. Vous allez voir tout à l'heure que, avec Jérémy, c'est pas la même chose, hein, faut du temps. C'est le moment pour vous de prendre une capture d'écran, l'offre s'affiche. Ici, il y a toujours des limites de temps, etc. Donc n'hésitez pas à foncer sur les sites. Le lien avec tous mes produits préférés résumés est dans barre d'infos. Et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va faire... Oh non, non. Le 5 minute journal. C'est pitié. Alors ça, c'est très important de le faire au réveil le matin. Aujourd'hui, nous sommes le 12, je crois. Oui, parce que hier, ma compresse, j'ai périmé. Quand j'ai fait mes carbos, j'ai plus la date. Quelles sont les choses dont t'es content dans ta vie? Genre pour lequel t'es reconnaissant? Je sais pas, d'être en bonne santé. Voilà, vas-y. De travailler avec ta copine. De travailler sur des projets intéressants. D'aller à Tomorrowland la semaine prochaine, c'est une bonne chose ça. Tu dois dire 3 choses qui feraient que ta journée serait bonne. Genre par exemple, si tu trouves que t'arrives pas à te concentrer, t'es pas discipliné, tu mets discipliné, tu vois. Être discipliné dans ton travail. Manger moins de sucre. Voilà. Que je sois satisfait de mon travail ce soir. Voilà. Et en 3, t'as pas une petite idée là pour moi? Arrêtez de me plaindre. Ça c'est dur ça. Arrêtez, c'est pas possible. Voilà. Moins de se plaindre. Soyons réalistes. Moins se plaindre. Alors, daily affirmation. Ça veut dire quoi ça? Imagine, t'as pas confiance en toi. Tous les jours, tu vas écrire j'ai confiance en moi. Ah oui, ok, d'accord. Je vois le genre. Tu vois le délire? Je suis plus beau, je suis plus beau, je suis plus beau. Voilà. Jusqu'à ce qu'à la fin. Donc t'étais vraiment superficiel. Ah, je sais, je suis assidue dans mon travail. Ouais, mais toi, toujours plus aussi. Hein. Bah, comme ça, tu te. Genre, là, t'es sûr que t'es assidue là. Vas-y, vas-y, mets ce que tu veux. Non, bah non, vas-y, trouve un truc. Je suis. C'est trop dur là ce que tu me racontes. Je suis une bonne personne. Voilà. Les gens vont penser que je suis un gros. Bah, ouais, je sais pas pourquoi t'écris ça. Mais non, mais une bonne personne avec moi-même. Ah. Avec moi-même, voilà. Il en faut une ou deux? Il en faut deux. Oh, tu sais, je suis plus âgé que toi, j'ai plus besoin de faire d'affirmations, je les ai faites. Ah. Ouh, t'en as besoin, crois-moi. Je suis beau. Je pense que je suis disciplinée, c'est bien. Vas-y, vas-y, discipline-moi. Voilà. Quand on a des rendez-vous le matin, t'as toujours une demi-heure de retard. Alors, est-ce que c'est lié à tout ce bordel? Non, non, parce qu'il y a des matins où je le fais pas. Hein. Faut pas croire que ma morning routine tous les matins, c'est ça. Ça, c'est ma morning routine idéale. Parce que là, je suis en train de comprendre, du coup. Alors, mon problème... Non, mais le vrai problème, c'est que souvent, je traîne avec mon matcha dans le canapé et du coup, je veux me maquiller trop tard. Et là, je me mets dans la merde. Là, normalement, dans un monde idéal, je lis. Tu lis? Je lis le Miracle Morning. Toi, t'as un livre. Il n'y a pas un livre qui me motive plus que lui. Toi, t'as pas besoin de bibliothèque, toi. Je te jure qu'il n'y a pas un livre qui me motive plus que ce livre. T'as besoin d'un livre. Du coup, bon, on va pas lire parce que, bon, vous n'avez pas de me regarder lire, c'est un peu chiant. Donc, on boit notre matcha et la bonne nouvelle, on va se mettre en tenue de sport. Ah non, 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 non. On va faire un petit peu de pilates. Allez, en tenue. Complètement folle, toi. Attention. Hé, hey, arrête avec ta poussière là. Ah, l'hypochondriaque est de retour. Tu montres? Bah, on va suivre ma vidéo. Ah, t'as une vidéo? Elle dure combien de temps? Il y a une vidéo, elle dure 20 minutes. Ah, on fait pas 20 minutes? Oh, Jérémy, on arrête de te plaindre! Séance de pilates du matin pour avoir des plus grosses fesses. Très bien, très bien. Allez, tu peux masser les omoplates pour l'instant, j'ai trop mal. Non, non, non. Juste à gauche, là, j'ai trop mal. Jérémy, à gauche, ici, là. Allez, allez, allez. S'il te plaît, fais-moi. Oh, mon dieu. Ah, mais là, faut que je déstresse, hein. Ok, mais tu crois qu'on a le temps, là? Tu mets tout ce qu'une. Là, crois-moi, je prends le temps, là. Écoute ce qu'elle dit. Souffle en faisant le dos rond. C'est pas mon délire. Fais-le bien. Sa voix me donne un peu envie de me... Tu t'appliques? Me foutre en l'air. Tu sais pas faire ça plus haut, hein? Je vais pas me casser le dos. Tu peux pas faire plus haut. Bah, après, tu t'arques le dos, ça sert à rien, en fait. Fais comme moi. Non, non. Ah, ok, ok, ok. Oh. C'est plus lent. Donc on fait des abdos quoi. Oui. Ah non, c'est des demi-abdos.
pilates. Ok, ok. Oh là là. T'es censé le faire lentement. T'as pas le droit de poser. Tricheur. Doucement. Doucement, c'est doucement, pilates. Non, mais doucement. Plus haut, plus haut. Je peux pas, je suis un garçon. Oh là là. S'il te plaît, fais un effort. Doucement. Ça me saoule ta séance. Bah parce que tu n'y arrives pas. Ouais. Doucement les voisins. Doucement. Non, non. Ah, c'est bien d'avant. Là, là, là. Ouais. Oh, oh, oh. Comment c'est nul. Bah, moins de se plaindre. Soyons réalistes. Moins se plaindre. Fond. J'ai l'air. Doucement. Fais pas le mec. C'est du pilate. Oh putain, j'ai une crampe bientôt là. Non, c'est pas une crampe, ça s'appelle travailler les fesses. Crampe à la fesse. C'est différent. J'ai une crampe. C'est pas une crampe, c'est juste que t'as mal. Travaille tes fesses. Et hop, dans le trou. Et après. Et tu te poses les poings. Voilà. Non, il faut que ça pose le pire. Sois gracieux. Comment ça me fait travailler le cul? J'ai un cul énorme. Tu sais que là, c'est genre archi simple pour les fesses. Tu te rends pas compte. Si là, tu le sens, c'est que c'est grave. Bien sûr que c'est grave. Oh putain, je tombe. Tu respires et tu te détends. Doucement. Tu me stresses, tu me stresses. En mode. Tu peux pas faire plus doucement. En mode ninja. Bravo. Première séance de pilates. Tu l'as faite. Pourquoi ça sent le poulet chez toi? Pourquoi ça sent le poulet rôti? T'as mangé un poulet rôti? Mais non. Tu m'as trompé avec un poulet rôti. Tu m'as trompé avec un mec qui mange du poulet rôti. Oh. Prochaine étape, tu vas être très content. On va se doucher. Oh putain, mais attends, tu peux pas me filmer avec cette tête là. Oh là là. Je peux plus, je peux plus. À la douche, tu pues là. Déjà, toi, tu t'es habillé, qui t'a mis t'habillé? Bah, je m'habille. Je vais pas être tout nu. Normalement, je me maquille nu. Là, on peut pas. Il y a la YouTube. Mais tu vois, là. Je mets un petit truc. Le matin, normalement, je fais ma skincare routine. Ensuite, je me maquille. Ensuite, je fais mes cheveux. Ensuite, je trouve ma tenue. Aujourd'hui, on va skip l'étape maquillage, même si je vais juste mettre du baume à lèvres, un truc comme ça, tu vois. Comment ça? Bah, je sais pas, c'est bien, non? Il faut sachez que j'ai 150 étapes dans ma skincare routine. Bon, ça, on le sait. Bien sûr que oui. Quelles sont les étapes que tu fais le matin? De la crème. Tu mets de la crème solaire? Non, mais non, je mets rien. Je mets juste de la crème hydratante. Bah, tu vas avoir le même débat dans toutes les vidéos. Bref, donc moi, je mets de la lotion. C'est pas du tonnerre? Du tonnerre. C'est pas du tonnerre? Tonnerre. Ok, je fais quoi après? Eh, j'ai mis en mine. Tu fais ça tous les matins, tu tapotes comme ça là. Ah ouais. Pour ça que t'es en retard. Pour ça que t'as une demi-heure de retard, je comprends en fait. Tu fais ça tous les matins là? Tous les matins. Tu fais ça là? Exactement ça. Mais toi, ta vie elle est parallèle. Sérum? Le sérum c'est pas le soir. C'est matin et soir. Tiens. Non, non, tu fais pas comme ça. Tu fais comme ça et tu le mets comme ça. Non, t'étales pas justement. Tu poses. Regarde, regarde, regarde. Comment ça s'appelle? En cataplasme. Tu remontes. Je croyais qu'il fallait pas étaler. Là, on a posé là, on peut étaler. Ensuite, de la crème visage. Ouais, c'est inhydratante. Elle m'a l'air riche là, ça je vais de la prendre. Non. Oh putain, je vais de la prendre. Elle a l'air riche là. Ah bah, j'ai fait comme tu fais. Et comme par hasard, la fois où je le fais, faut faire dans l'autre sens. Arrête ça tout de suite, arrête ce carnage. Non, 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 non. Fais exactement comme. Plus doux. Tu lisses la peau. Tu touches à peine la peau. Gua sha peut-être, non? Je te montre et tu prends. Ah non, on va pas partager les gua sha, vas-y, je vais me chercher. Tuto gua sha, t'es prêt? Ouais, vas-y. Non, 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 non. Tu fais trop la meuf. Ok, vas-y, on va voir si t'as appris. Plus bas et plus doucement, je t'en supplie. Mais lui, il est en diagonale. Non, mais tu. Ah oui, non, j'ai oublié de dire un truc important. Faut toujours qu'il soit comme ça. Ah bah ouais, ça c'est sûr, c'est le plus important. C'est vrai que ça change quelque chose quand comment tu le tiens. Comment il tient son gouache. Tu me gouachettes le front aussi ou pas? C'est pour ça que t'es en retard tous les jours. Alors, ça, c'est la routine que je fais quand je travaille à la maison. Ah ouais, bah il faudrait que tu m'expliques la routine que tu fais quand on part en rendez-vous. Parce que... Bah, je me lève, je me douche. On a rendez-vous à 10h, on part à 9h45. Et tu te rases là? Ça m'a saoulé. Prochaine étape, crème solaire. Oh, mais t'es une dégénérée, mais t'es malade. Quoi? T'as vu la quantité? Ça, c'est ce que je mets tous les jours. Ma main, elle est énorme. Et là, on en met partout, il faut louper aucune zone. On commence par le nez. Le nez. Oh, bah là, je suis tout blanc. Super. Le nez. Après, faut bien frotter. Oh là là, je suis tout blanc. Bon, mais je voulais juste montrer ma skincare routine. Pourquoi c'est compliqué comme ça? Dernière étape, hydratation des lèvres. Une huile. Je t'overline un peu.
Non, mais non, mais non. Du coup, on va faire un make-up, no make-up. Petit gel à sourcils. Ça, je suis chaud pour que tu me le fasses. T'inquiète pas, tu vas y passer. Et là, tu m'en as mis dans les yeux. Non. Ça souligne le regard. Un petit peu de blush. Léger. Tu fais un contouring. Mais non. Bah, je te mets du bronzer. Je te fais un contour du nez aussi. Comment ça me stresse qu'on me touche le visage? Je suis à deux doigts de la crise de panique. Ok, un peu d'highlight. Comme ça, mais tu viens de me mettre un truc là. Y'a pas de paillettes, ça va juste te donner du glow. Aujourd'hui, on va skip l'étape maquillage, même si je vais juste mettre du glow à lèvres, un truc comme ça, tu vois. Oh, t'es magnifique, Jérémy. On a juste oublié une étape, mais je sais ce qu'il va me dire. Et ça va m'énerver parce que tu joues pas le jeu jusqu'au bout, mais il faut se recourber les cils. Non, 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 pas mes cils, tout sauf mes cils. Étape importante, on se brosse les cheveux. Moi, je peux pas. Si. Oh là 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 là, oh le calvaire. Oh. Oh là là, mais là tu veux, mais j'ai une tête d'œuf quand tu me fais ça. Non mais, après tu les replaces comme tu veux. Oh le calvaire. Brosse-moi les cheveux pour voir si tu arrives. Doucement, mais t'es fou. Doucement, doucement, c'est doucement. Doucement, doucement, doucement. Et les racines, non, on les brosse pas celles-là. J'ai dit les racines, pas les pointes. Ah, sorry. Franchement, tu sais ce que ça me rappelle? Non. Ça me rappelle quand je faisais de l'équitation. Tu me brossais la crinière? Ouais. Après, je vais te faire les sabots. Comme ça, et hop. Ça fait des... Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Comme je sais jamais quoi mettre, ta mission du jour, vu que t'es moi aujourd'hui, choisis ma tenue. J'aime bien ça. Mais tu vois pas ce que tu peux mettre avec ça? Ok, ça? Ouais, parfait. T'es sûr de ton coup? Ouais, c'est bien. C'est une tenue de jeune de travail. Ok. Tada! C'est cool en vrai. Bah ouais, moi j'aime bien. Ouais, c'est bien. Il était tout prêt l'outfit, mais oui. T'as un peu triché, c'est pas grave. Est-ce que tu connais la prochaine étape? Non. On peut enlever le mode avion de téléphone. Avoue, on se sent bien quand on n'est pas sur les réseaux dès le matin. C'est bien. L'objectif, c'est juste de regarder ses notifs, répondre s'il y a des trucs et après, c'est bon, on enchaîne, tu vois. Okay. Alors, ça fait quoi d'aller sur son tel? Franchement, ça fait du bien. En vrai, moi j'adore. Genre, c'est mon meilleur moment le matin. Quand j'ai terminé toute ma routine et que là, je peux aller sur mon tel, ça veut dire que j'ai tout bien fait. Le retour à la vraie vie. Ouais. L'objectif, c'est juste de regarder ses notifs, répondre s'il y a des trucs et après, c'est bon, on enchaîne, tu vois. Okay. Alors, maintenant, prochaine étape, on travaille. Maintenant, là? Ouais, c'est l'heure de travailler. Ok. Let's go. Du coup, je regarde ce que j'ai à faire, ce que j'aime bien le matin. Mm-hmm. Je t'apprends des choses, hein. On dirait pas, mais on vit ensemble et on travaille ensemble, c'est fou quand même. Mais le matin, ce que je fais, c'est que je regarde ma to-do list et j'essaye, normalement, genre avant 10h, de faire tous les trucs de ma to-do. Pas tourner une vidéo, tu vois. Mais les trucs, genre répondre à tel truc, organiser tel machin, envoyer, nanana. J'essaie de tout faire avant 10h. Comme tu peux le voir. T'as rien fait. Mais tu vois, genre, typiquement, l'inscription, machin, j'aurais pu le faire. Miniature, tu l'as fait pas du tout le matin. Miniature, je l'ai fait le 30 minutes avant que la vidéo elle sorte, tellement j'ai repoussé le truc. Voilà, c'est mon défaut, c'est les miniatures. Mais sinon, voilà, je programme les trucs, je t'envoie. Est-ce que t'as fait ci? Est-ce que t'as fait ça? Ah, c'est pour ça que tu me fais le matin. Ah, voilà. Ah, je vous explique. Parce que je me dis, okay. Je t'envoie tout et après t'as toute la journée pour faire tes trucs. Ok. Voilà quoi. Intéressant. T'as kiffé? Intéressant. T'as kiffé ma vie? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ma morning routine? C'est trop long le matin. Mais c'est bien, j'ai bien aimé le sport. Ah ouais? Ouais, c'est intéressant, c'est bien. Ok. Non, en vrai, j'aime tout sauf la partie soins. Enfin, c'est ouais. Cool, mais c'est trop long, tu vois. Ouais, ça, je suis d'accord. À chaque fois que je me prépare le matin, je me dis, mais je peux pas faire ça toute ma vie, c'est pas possible. C'est une dinguerie quand même, une heure par jour à faire ça. Une heure au moins. Mais en tout cas, c'est une dinguerie comment je crois que je vais arrêter de me maquiller parce que je te jure, ouais. Jérémy, je te jure, c'est une catastrophe. Bon, voilà pour ma morning routine, j'espère que tu vas appliquer quelques tâches. J'espère que dès demain, là, tu vas faire ton petit journaling et tu vas dire. Demain, je suis beau, je suis discipliné. Et y'a pas de petit déj, tu m'as pas fait de remarque là-dessus. T'as pas eu faim. Putain de ouf. Et ouais, je mange pas le matin. Bon, attends, abuse. Ouais, parfois je mange un scarabini, mais je le mange pas au petit déj. Je le mange genre à 11h quand je crève la dalle. Okay. Bon, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux. Est-ce que tu te rends compte qu'on est quasiment 450 000 500 000 bientôt. Qu'est-ce qu'on fait pour 500 000? Mais excuse-moi, on n'a pas le temps de prévoir entre chaque Qu'est-ce qu'on fait pour 500 000? On va réfléchir, dites-nous en commentaire si vous avez des idées. Bref, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, TikTok, bah YouTube du coup, et activer les notifs. Il y a normalement toute l'année 2 vidéos par semaine le mercredi et le dimanche. Au mois de juillet, il y a 1 vidéo par semaine le dimanche. Et au mois d'août, il n'y a pas de vidéo parce qu'on fait une pause. Bisous, à dimanche. Mouah.